nos attentes par rapport pour Piano Master Club, par rapport aux élèves, c'est d'abord de la joie de pouvoir leur faire rencontrer de grands maîtres du piano. Et évidemment, Mikhail Rudy fait partie de cela. D'ailleurs, je lisais récemment qu'il faisait partie des 20 plus grands pianistes au monde. Et c'est évidemment une grande joie que de pouvoir en faire bénéficier de cette rencontre les jeunes élèves qui sont invités, et à chaque fois il y en a 7. Donc c'est la 15e masterclass, on a eu plus de 100 élèves qui sont passés nous voir à Enghien, qui ont découvert Enghien pour la plupart, et sur ces 100 élèves, il y en a 16 qui ont été depuis admis au CNSM, soit à Lyon, il y en a 2 à Lyon je crois, et 14 qui ont été admis au CNSM de Paris. Donc c'est notre grande fierté d'avoir contribué à cela. Assez bien préparé. Bon, je pense que c'est, enfin, une masterclass, on est aussi là pour perfectionner et avancer un peu plus, donc c'est pas du tout un morceau abouti, mais j'attends ses conseils justement pour le perfectionner. Je suis un peu stressé parce que c'est important quand même, et j'aimerais bien m'améliorer sur le morceau beaucoup, voilà, sur la propreté et puis tout. Et sur comment l'interpréter. Il va nous jouer une pièce fameuse de Rachmaninov, le prélude 20, opus 23, numéro 5. Maintenant, le rideau ouvre, il y a tout à fait autre chose. Vous avez un paysage de la fleuve, les montagnes, enfin, il y a le caractère encore un petit peu plus diabolique dans sa façon de jouer. Rameau, pour moi, il faut jouer avec la partition. La partition, calmement, faire de chaque fois faire des reprises, essayer de varier autant que possible, et savoir que en fait, variation de Goldberg, comme chacun sait, est écrite comme un somnifère pour endormir l'ambassadeur de Russie. Non, mais c'est ça la vérité. Se passe dans le même rythme. Il y a ce rythme-là qui est omniprésent. Et donc, ce qui fait le contraste beaucoup plus en relief. Et donc, c'est ce qui donne une difficulté. Jouer les endroits lyriques, et absolument. Et c'est ça le problème. Même si vous ne jouez pas sur le piano, intérieurement, vous devez continuer la musique, parce que vous êtes parti d'une équipe ici. Vous n'êtes pas seul. C'est un rendez-vous très agréable, parce que je découvre la jeune génération, les nouveaux talents, et c'est,
L'ambiance est vraiment superbe, c'est une ambiance presque familiale. Tout le monde vient, j'ai remarqué que tous les élèves viennent écouter l'un l'autre. Enfin, c'est vraiment très, très, très agréable. Les conditions sont à peu près idéales. Ça donne un autre regard que leur professeur habituel. Ça donne un autre regard à écouter donc, des professeurs pour ces masterclass, écouter les autres élèves, ce qu'ils disent aux autres élèves. Donc, c'est une expérience. Plus on le fait à façon étrange, cette étrangeté de Haydn, il faut pas le gommer, il faut le accuser. C'est comme ça sa musique devient vivante, parce qu'elle est incroyablement... les émotions de Haydn, elle est vraiment absolument incroyable. À chaque accord. Pardon? Même chose, la même gauche. Et très lentement. Ça, c'est un son. Ça, c'est un vrai son. Faites en sorte que dans cette pièce, dans tout au long de la pièce, vous entendez le même rythme. C'est déjà changé beaucoup de choses. Exactement égal comme la pièce suivante. C'était très intéressant. On travaille sur des axes qu'on n'a pas forcément abordés avant. Notamment, continuer la pensée musicale quand la musique s'arrête, en fait, hein, mais garder cette musique dans la tête et la faire avancer et vivre, surtout. C'était génial, et le piano était très très bien, c'est un très bon piano, et l'ambiance est très bien aussi, le professeur est très à l'écoute, et très bienveillant, donc pour l'instant c'est très bien. C'était des très très bonnes impressions, j'ai beaucoup aimé travailler avec lui et recevoir ses conseils. J'ai trouvé que c'était vraiment là où moi j'avais besoin de travailler exactement, donc ça m'a énormément apporté. Et sa présence à la fois bienveillante et très imposante, c'est quelque chose qui fait qu'on se sent dans un environnement de travail très précieux, je trouve.